un jour de fierté pour le tout nouveau club de Toa Marama de Raiatea et ses rameurs. Ces jeunes lycéens de Uturoa seront prêts pour l'épreuve junior de Hawaii Kinui. Leurs deux nouvelles pirogues ont été financées et construites en moins de 3 semaines par des passionnés. Et c'est surtout grâce à cette grande famille de A qu'on est tous encore là, présents. On a tous eu le même virus, c'est-à-dire donc un enfant qui fait du Baha, qui accroche, qui aime le Baha, et puis après ben, les parents qui suivent, et puis tous les amis qui suivent, ça, voilà. Je pense qu'on est tous l'histoire du Baha. À Rangiroa, depuis 3 mois, les rameuses s'entraînent pour la Baha Hine. Ce sera la 3e participation de l'île pour l'épreuve féminine de Hawaii Kinui. C'est depuis le mois d'août qu'on s'est remis dans le bain. Bon, après, on ne fait pas beaucoup de vestiges parce qu'on n'est pas complète tous les soirs. Mais on essaie de faire avec, hein, de s'entraîner, de pouvoir se regrouper déjà. Et voilà. Après Molokai, à Hawaï, Powaiva'a de Bora se concentre maintenant sur les îles sous le vent qu'ils connaissent bien. Le club alignera 12 rameurs cette année avec une meilleure cohésion. Je me sens bien, ouais, par rapport à la course de Hawaii Kinui. Je pense que c'est bien reposé cette semaine avec les copains et on essaie de faire un bon résultat à la course. Vu que l'année dernière on a fini 8e en général avec quelques pépins, je pense que cette année on pourra faire mieux. Bon. Veillée d'armes ce soir pour tous ces sportifs. Le départ de la grande course, c'est pour demain. L'épreuve junior et dames dans 2 jours.